Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un FPS gratuit, alors c'est un Battlefield. Alors déjà vous allez sur Google, et bien sûr vous tapez Battlefield logique. Play, espace 4, free, 4, enfin, 4, enfin, voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur le premier... site, hein. Moi je suis déjà inscrit, donc pour s'inscrire, cliquez sur Sign Up, si vous aimez marquer suivre. Et pour, enfin, quand vous êtes déjà enregistré, une fois, bah, après vous cliquez, les adresses email, les machins, vous complétez les champs par ce que vous avez mis avant. Moi j'ai déjà complété. Hop, hop. Alors, hop. Enfin, tu changes, et là voilà, perso il est là. Ça, je sais pas ce que c'est ça. Grab your free starter packs now. Je sais pas ce que c'est. Battlefield play for free opening cup. For free opening cup, bon, traduire. Chier. Ouais, bon. The film for us, on a sent the first competitive event. Il y a un événement. The opening cup. Castle to Europe and North America, Repressive R is sponsored by Hot Guys Gaming Community, Hytrody.net, House Easy Studio, meaning there are some great prizes up for it. For more information, head final now to enter Shakespeare's history. Bon, soit passons. Vous cliquez sur Play Now. Je clique. Alors, hop. Et là, ils vous mettent le truc, normalement ça affiche une nouvelle page, et ils vous mettent télécharger. Une fois que le téléchargement est fini, il y a que, voilà, comme ça, vous cliquez sur yes, c'est-à-dire commencer à jouer maintenant, ça veut dire. Alors, voilà. Nous voilà. Dans Battlefield. La bêta est maintenant ouverte. Hein. Parce qu'avant, elle était fermée. C'est marrant parce que j'ai découvert le jeu au printemps, juste au moment où la bêta s'est ouverte. Honnêtement, j'ai... Ah putain, non, ils sont... autorisé l'accès. Voilà. Là, on a déjà notre petit perso. Alors... C'est comme Battlefield Hero, pour ceux qui connaissent. Hein. Musique excellente. Sûrement, moi, c'est excellent. Car, enfin, je dis ça vaut vraiment le coup, quoi. Pour un jeu gratos, c'est assez impressionnant, ça m'a... je suis encore bluffé, ouais, c'est vrai. Alors, ici, je peux voir training. Alors, pour ceux qui font chier, j'allais dire. Pour ceux qui savent pas comment piloter des jets, ça leur fait vraiment chier de voir les mecs passer devant et décoller. Training, ici. Vous allez dans training, dans le menu training, ici. Ok. Je vais vous mettre là. Une fois que vous êtes dans tout là, vous avez le petit cône avion et le petit cône hélico. Donc 1 sur 1 parce que moi j'ai déjà complété les trucs. Donc là 0 points left. C'est-à-dire une fois qu'on passe du niveau, on a des points. Et une fois qu'on atteint avec ces points, on peut s'acheter des gratuitement hein, pour s'acheter des recos et trucs. Ouais. Bon bien sûr il y a des trucs payants. Alors, honnêtement, moi j'en ai pas vraiment acheté. Enfin, j'ai pas vraiment acheté, mais c'est que pendant un moment, il y a. Je sais pas si c'est vous arrivé, mais pendant un moment, il y a IA qui a offert des trucs. Et voilà. Je sais pas acheter, c'est juste pour essayer, parce que. Si vous allez dans leur site, là, on a des sites, World, et c'est pour essayer les nouvelles armes, donc moi j'en ai essayé une. Bah, elle c'était 77 rouge. Et là, je vais vous le démontrer. Alors, on clique sur Play Now. Voilà. Moi, je dis sérieusement, le jeu est vraiment bien fait. Les touches restent toujours les mêmes. Hein. Alors, on voit rien. Donc, Z pour avancer. S pour reculer. D pour aller à droite. Q pour aller à gauche. La touche là, c'est pour courir.
Là, je vois rien, mais alors vraiment rien, c'est abusé quoi. Alors, là, la touche là, c'est pour courir, ici. Touche majuscule. En dessous du verrouiller, normalement, en général. Alors, face, c'est F, recharger, c'est R. Et après, pour changer les armes, c'est F1, F2, machin. Pardon, 1, 2, 3, qui est marqué au-dessus du clavier, excusez-moi. Oh la poche. Punaise, t'as pas de musique, finalement. Ça va très bien avec ce jeu, je trouve. Ah, ça met du temps à se changer, c'est bizarre. Soit ils trouvent pas de partie, ou soit... Ah, c'est si. Des fois, ils trouvent pas de partie tellement c'est complet. Donc là, chargement. Nouvelle interface, c'est vraiment une nouvelle interface. Faut pas aller à la boutique fermée. Bon, attendez, je vais essayer de péter un peu le son. Car je trouve ça va. Bien que la musique soit bonne, attendez. Il faut pas exagérer. Comme ça, on s'entend mieux. J'espère que vous m'avez bien entendu. Donc, j'ai dit que le jeu était très bien graphiquement, surtout pour un jeu gratuit. Sérieusement, ça m'épate. Putain. J'en ai arrivé dans une partie qui vient de se finir. Mais alors vraiment au point où c'est fini quoi. Hop, un petit bug. Tu fais une chose là. Oh mais oui. Alors, cliquez sur ready. Voilà. Alors moi je dis. Là tu vois la gueule du mec. Alors Z c'est pour avancer. Voilà. Deux, vous avez le M9. Enfin, si vous n'avez pas acheté des trucs. Moi, honnêtement, j'ai oublié de prendre le gros flingue de malade là. Alors, comme je vous le disais, au-dessus des lettres, ah machin. Alors voilà, la SCT Aube, pour ceux qui voulaient voir comment ça s'utilise. Pas du tout le même aspect que dans Call of. On recharge, on voit le petit mec. Excusez-moi, mais je suis avec mon portable, donc je pourrais pas. Je ne pourrais pas tuer un mec. Enfin, vraiment, une main si je forme. Voilà pour. Alors, c'est bien marqué en haut, hein. Bêta. Je trouve que ce jeu est vraiment bien fait. Un jeu gratuit, mais. C'est fou. On peut aller sur les immeubles. Oh là, tu as les véhicules comme tous les Battlefield. Et voilà. Bon, merci pour avoir regardé cette vidéo. Hein, et au revoir. Ah, oui, avant, pour ceux qui ne savent pas comment courir, en général, vous trouvez. C'est vous maintenez Z et la touche majuscule là, vous démontrez. Merci et au revoir.